Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. Father, we bring you praise this morning for your loving kindness. Notre Père, nous te louons pour ta grande bonté. Thank you for being with us. Te remercions d'être avec nous. And for showing us your mercy. Et de nous manifester ta miséricorde. We want to thank you for our coming together again. Nous voulons te rendre grâce pour notre rassemblement. We ask, Father, that you will make your face to shine upon us. Nous te demandons de faire briller ta face sur nous. And you grant us understanding and entrance into your word. Et tu nous accordes la compréhension et l'entendement de ta parole. Let it mix with faith in our hearts. Que cela soit mélangé de foi dans nos cœurs. Thank you for hearing our prayer. Merci de nous exaucer. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. This morning we want to go a little further. Ce matin, nous voulons donc avancer un peu plus. Remember, yesterday we began to deal with making progress in your discipleship. Hier, donc, nous avons commencé à parler de faire des progrès dans votre discipulat. We noted. Et nous avons remarqué that even though discipleship is a lifelong process, it's not a stagnant experience. Quoique le discipulat soit une relation qui dure toute la vie, mais ce n'est pas une relation stagnante. It is not a repetitive stagnation. Ce n'est pas une stagnation dans la répétition. God Himself expects a disciple to make progress. Dieu lui-même s'attend à ce que le disciple fasse des progrès. He expects the disciple to grow in the inner man so that he could bear the four kinds of weights we talked about yesterday. Dieu attend à ce que le disciple croisse et grandisse à l'intérieur au point de pouvoir supporter les quatre poids dont nous avons mentionné, que nous avons mentionné hier. We said the truth has weight. Nous avons dit que la vérité est pesante, elle a un poids. And God will not even freely release the truth once you are not able to bear the weight of it. Et nous avons dit que Dieu ne sera pas à l'aise de libérer ses vérités quand il sait que tu n'es pas prêt à les supporter. We are told that spiritual revelation has weight. Et nous a été dit aussi que la révélation spirituelle est pesante, elle a un poids. The weight of revelation will not allow God to lay it on a man who cannot bear it. Et le poids de la révélation divine ne permettra pas à Dieu de libérer cela dans la vie d'un homme qui n'est pas capable de le supporter. We also noted that even the glory of God has weight. Bible talk about a weight of glory. Et nous avons aussi dit que la gloire aussi a un poids, parce qu'on dit le poids éternel de gloire. So a man that has not developed to bear it cannot be placed, and the weight of glory cannot be released upon such a life. Donc quelqu'un qui ne s'est pas préparé à recevoir ce poids là, ce poids de la gloire là, le Seigneur ne va pas être à l'aise de libérer cela dans sa vie.
We also saw that ministry has weight. Nous avons aussi vu que le ministère a un poids. So the thing that God could release the disciple. Donc les choses que Dieu peut libérer dans la vie d'un disciple. Usually, only commensurate with the weight he can carry at the time. Sont toujours en accord avec sa capacité à supporter le poids de ces choses. So many times Jesus had something to say, but I cannot say it now because you cannot bear it. Et donc à plusieurs occasions, Jésus s'est retenu à dire des choses parce qu'il dit, vous ne pouvez le supporter maintenant. We concluded, we tried to stop yesterday by looking at so what a disciple must quickly avoid. Et donc hier en conclusion, nous avons vu ce que le disciple doit rapidement mettre de côté et éviter. We noted that the natural man, the old nature, cannot receive spiritual, and so a man must get rid, get away from the old man. Et nous avons fait remarquer que le vieil homme, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et donc le disciple doit rapidement se débarrasser de ce vieil homme. Nurturing the flesh is simply stagnating your progress. Et entretenir la chair, c'est simplement stagner sa progression spirituelle. We also noted those things that the flesh easily gets you into, like envy, like jealousy, like strife, like competition. Whereas you might think it's another brother you are dealing with, you are simply blocking your own growth. Et nous avons aussi dit que les activités, les œuvres de la chair aussi, telles que l'envie, la jalousie, la colère, la compétition, les comparaisons, peut-être qu'on pense qu'on le fait avec un frère ou avec une sœur, mais nous avons dit que ces choses aussi constituent des blocages dans notre progression spirituelle. We also now saw that those who only handle milk of the word of God, it's because they are unskilled in the word of righteousness. Et nous avons aussi dit que ceux qui ne sont qu'au lait sont inexpérimentés dans la parole de justice. So in Hebrews 5, where we stopped our discussion yesterday. Et donc en Hébreux 5, où nous sommes arrêtés hier. We are told that solid food is only for full-grown men, those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and to distinguish between what is morally good and noble, and what is evil and contrary either to divine or human law. Et il nous est dit donc en hébreu que la nourriture solide est pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. We saw that those who feed on milk, they are unskilled in handling the word of righteousness, they are inexperienced in terms of conformity to the divine will of God, in their purpose, in their will, and in their action. Et nous avons donc vu que ceux qui sont encore au lait sont inexpérimentés quant à la parole de justice, et ils sont encore inexpérimentés quant à la conformité de la volonté de Dieu par rapport aux objectifs de Dieu et par rapport aux pensées et par rapport à leurs actions. But this skill in handling the word of righteousness comes by exercise, that is, by putting into action, into practice, the things that God has said to you that will increase your capacity of receiving further from God. Et nous avons dit aussi que cette capacité, cette expérience ne vient que par la mise en pratique régulière des choses que nous recevons de Dieu, des instructions que nous recevons de Dieu pour nous exercer à discerner les choses. Now, this morning, we'd like to now go ahead and looking at deliberate, intentional pursuit of progress in discipleship. Donc ce matin, nous allons regarder à la poursuite, à la quête délibérée, intentionnelle et consciente du progrès dans le discipulat. That is to say that even a disciple
C'est pour dire que même dans le discipulat, intentionally, deliberately, passionately pursue progress in his discipleship. Le disciple devait de façon consciente, de façon intentionnelle et de façon ardente rechercher et poursuivre son progrès personnel dans la relation du discipulat. Sometimes we make a mistake. Quelquefois nous commettons une erreur. To think that it is those who are discipling us that should be running after us. Nous commettons l'erreur en pensant que c'est ceux qui nous forment, nos maîtres disciples, qui doivent courir après nous. Sometimes we imagine that it's not our own deliberate action to run after those that God has shown to raise us up in discipleship. Quelquefois nous arrivons à penser que ce n'est pas à nous de courir volontairement après ce que Dieu a établi sur nous comme maître. Sometimes we make a mistake of thinking that it is not our duty to follow hard after the Lord. Quelquefois nous pensons que ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas notre tâche de nous attacher au Seigneur, de le suivre avec ardeur. But you see, a disciple that makes progress in his discipleship in order to become what God wants him to be is deliberate about that pursuit. Mais le disciple qui fait des progrès palpables dans sa relation discipulaire, c'est celui qui est intentionnel à la quête et à la poursuite de ces choses que nous avons mentionnées. I would like us to take some quick look at some few scriptures about this intentional pursuit. Je voudrais que nous puissions considérer quelques passages bibliques qui nous parlent de cette quête volontaire et intentionnelle du progrès dans le discipulat. Let me ask you to quickly read the book of Hosea. Allons-y rapidement dans le livre de Hosea. Hosea chapter 6. Hosea chapitre 6. Hosea chapter 6 says verse 1 and verse 2 to 3. Hosea chapitre 6 verset 1, 2 et 3. Come and let us return to the Lord, for he has torn and he will heal us. He has smitten and he will bind us up. After 2 days, will he revive us. In the third day, he will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know, he will follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and it shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Le verset 1 au verset 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verse 1 to 2 raises a very important issue. Let us return to the Lord. Les versets 1 et 2 abordent un aspect très important. Venez, retournons au Seigneur. And the way the scripture put it, et la façon dont cette parole est venue, there is a kind of perseverance that a disciple who wants to know the Lord must engage. Cela dénote de la persévérance que le disciple doit pratiquer. He said, after 2 days, he will revive us. In the third day, he will raise us up, and we shall live in his sight. We shall live before him. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Which means when a man is pursuing God. Ce qui veut dire que lorsque un homme poursuit Dieu, you cannot stop because you did it one day. Et tu ne peux pas t'arrêter parce que tu l'as fait un jour. You cannot even stop because you did it for 2 days. Tu ne peux même pas t'arrêter parce que tu l'as fait pendant 2 jours. We must press on until he has brought us to live in his presence. Nous devons persévérer jusqu'à ce qu'il nous accepte dans sa présence. So, verse 3 says,
Then shall we know. Et donc le verset 3 dit, alors nous connaîtrons. If we follow on to know the Lord. Si nous cherchons à connaître le Seigneur. If we follow on to know the Lord. Si nous continuons de chercher à connaître le Seigneur. He's going forth, he's prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. If you look at that verse 3 very well in Amplified, I will say, yes, yes, let us know, let us recognize, let us be acquainted with God, let us understand Him. Donc dans la version amplifiée, le verset 3 dit, mais cherchons à connaître le Seigneur, cherchons à faire connaissance avec lui, cherchons à entretenir une relation amicale avec lui. Let us be zealous to know the Lord. Soyons zélés dans notre connaissance du Seigneur. Let us press on to know the Lord. Persévérons dans la connaissance du Seigneur. Let us be zealous to appreciate, to give heed to, and to cherish Him. What he said to us. Soyons zélés dans la recherche de sa connaissance et apprécions et avec compassion ces choses qu'il nous dit. So, there is this deliberate, intentional pursuit for progress donc, that I'm looking at. Il y a donc cette démarche intentionnelle et consciente que je vois dans ce verset. Now, let's take a quick illustration before we return to the Bible. Essayons d'illustrer cela rapidement avant de revenir à la Bible. Do you remember that Moses, when God brought him back to the land of Egypt? Vous vous souvenez que Moïse, quand Dieu l'a ramené au pays de l'Égypte, we were told that some certain young men were following him. Il nous a dit que certains jeunes le suivaient. Actually, they only mentioned Joshua, they said, one of his young men. Et même en parlant de Josué, on dit un de ses jeunes hommes. Which means there are several people. Ce qui veut dire qu'il y avait un groupe, ils étaient beaucoup. Several young men. Beaucoup de jeunes. That Moses was moving with. Il y avait plusieurs jeunes qui se déplaçaient avec Moïse quand il est revenu au pays. As if he was discipling them. Comme s'il les formait. Caleb may be one of those. Il se peut que Caleb soit l'un d'entre eux. But one thing I noted. Mais une chose que je remarque. When you read your Bible very well. Lorsque vous lisez la Bible. There were many, many times God will ask Moses to come to the mount. À plusieurs occasions, Dieu demandait à Moïse de venir sur la montagne. And God will say, Moses alone shall come. Et Dieu précise bien que c'est Moïse seul qui doit s'y rendre. But you see, when Moses was going, mais tandis que Moïse y allait, we noticed that Joshua will follow him. Nous remarquons que Josué le suivait. Hein? N'est-ce pas? Joshua was not invited. Josué n'était pas mentionné, n'était pas invité. But Joshua, I don't want to say pretending to carry the bag of the man of God. Je ne veux pas dire que il prétendait, il faisait semblant de prendre le sac du serviteur de Dieu pour le suivre. He finds a reason. Mais to follow. Ce que je veux dire, c'est qu'il trouvait une raison pour le suivre. Even if it is just to carry his bag. Même s'il s'agissait simplement de porter son sac. And when Moses is climbing to the mountain. Et tandis que Moïse montait sur la montagne, Joshua was going. Josué le suivait. When they get to the mount, et quand ils arrivent sur la montagne, even though God is not talking to Joshua because he is not the one God is asking to come, quoique Dieu ne s'adresse pas à Josué parce que c'est pas lui qui a été invité, but he finds himself in one corner, mais Josué se trouvait quelque part dans un coin, just being there, il était là, waiting, attendant, and can you imagine that one time? Et imaginez à une fois, à une occasion, God asked Moses to come. Dieu a demandé à Moïse de venir en haut. God didn't tell Moses that it was going to take 40 days. Dieu n'a pas dit à Moïse que cela allait prendre 40 jours. Maybe Joshua thought that he used to go and return. Et peut-être que Josué a pensé que c'était comme d'habitude, ils allaient et revenaient. Only to get there and discover that God was not yet even speaking to Moses
after 7 days. Oh, tout juste pour se rendre compte que après 6 jours ou 7 jours, Dieu n'avait pas adressé la parole à Moïse. Only to discover that this discussion is going to run for 40 days. Tout juste pour se rendre compte que cela allait prendre 40 jours. Where was Joshua? Où se trouvait Josué? Where was Joshua? Où Josué était-il? He was there. Il était là-bas, quelque part. He was there. Il était là. One thing that told me that God did not come and say, "Go away from here." Ce qui m'a touché, c'est que Dieu n'a pas dit, "Va-t'en d'ici." I want you to know that God does not drive away. Je voudrais vous dire que Dieu ne rejette pas. A disciple who is intentionally seeking to know the Lord. Dieu ne chasse pas un disciple qui prend la résolution de chercher à connaître le Seigneur. He may not talk directly to you. Il ne va pas peut-être s'adresser directement à toi. But he will not drive you off. Mais il ne va pas te rejeter ni te chasser. So, Joshua was there. Alors Josué donc était là. When God finished with Moses, lorsque Dieu a fini avec Moïse and gave him the two tables, et lui a donné les deux tables and they were coming down, et qu'il redescendait, that was when you knew that Joshua was there. C'est là qu'on se rend compte que Josué était là-bas. Because as they were coming down, parce qu'en descendant, God had told Moses and said, "Your people have already turned again from me." Dieu a dit à Moïse que ton peuple s'est déjà détourné de moi. They have gone to worship idols. Ils sont allés s'adonner à l'adoration des idoles. As they were coming back, et donc en redescendant, they were hearing the noise in the camp. Ils entendaient un bruit qui venait du camp. People were dancing. Les gens dansaient. So Joshua said, "Excuse me." Et donc Josué dit, excuse-moi. The noise I'm hearing, le bruit que j'entends, is like there's war in the camp. C'est comme un bruit de guerre dans le camp. Oh, Moses said. Et Moïse a dit non. That noise, ce bruit que tu entends, will not be that of war. Ne peut pas être celui de la guerre. Because if it's that of war, parce que si c'est un bruit de guerre, either be those that are weeping because they have been conquered. On allait entendre des gens qui pleurent parce qu'ils ont été vaincus. Or those that are running because they have conquered. Il y a des gens qui crient parce qu'ils ont gagné. But the noise I'm hearing, le bruit que j'entends, it's not the noise of war. Ce n'est pas un bruit de guerre. It's the noise of some people that seem to be singing. C'est un bruit des gens qui semblent se réjouir, danser. Now, where was this discipleship taking place? Où est-ce que donc ce disciple-là a lieu? As they were coming. C'était pendant qu'ils descendaient. Now, what I'm dealing with this morning, ce que je veux toucher ce matin, is the fact that no disciple, le point que j'aborde, c'est qu'aucun disciple, can get from discipleship, ne peut obtenir quelque chose dans du discipulat, more than he is prepared to get, plus qu'il ne soit disposé à le faire. A disciple cannot make progress, un disciple ne peut pas faire de progrès, beyond his intentional desire to make that progress. Au-delà de son désir intentionnel de faire du progrès. Even if disciples are so willing to push things into your throat. Et même quand les mêmes disciples sont disposés à l'obliger, à le pousser à avancer. It will never translate to your progress. Ça ne va jamais produire le progrès en lui. Because. Parce que. What makes a disciple to make progress? Ce qui pousse le disciple à faire des progrès is internally inherent in him. Se trouve intérieurement en lui. It is his own hunger. C'est lui-même sa faim personnelle. You see, as you, how can I put it now? If you see a baby, si vous voyez un bébé that is sucking, qui est en train de téter, even though the mommy, the mother, has la mère, milk, elle a du lait. Beaucoup de lait dans le sein. How does the breast milk? Comment est-ce que ce lait dans le sein enter the baby? Comment est-ce que le bébé reçoit ce lait maternel? I know there are times when the mother will squeeze it into a cup and give. Je sais qu'il y a des occasions où la mère presse le lait dans un gobelet pour donner au bébé. But that is very, very artificial. Mais ça c'est une façon artificielle de le faire. What makes the baby to get enough breast milk from the mother? Comment naturellement le bébé obtient le lait de sa mère? Hein? Right. The baby has capacity to suck. Le bébé a la capacité de téter, de sucer. You see the sucking capacity of the baby. La capacité de sucer, de tirer le lait du bébé. What draws c'est ce qui
attire le lait. In fact, it is much more than the one the mother can squeeze. Eh bien, et même cette façon de téter a encore plus d'efficacité que ce que la maman fait en plus. Actually, when the baby is sucking, you see the mother sweating. En fait, quand le bébé est vraiment en train de téter, vous voyez la mère en train de transpirer. Sometimes the mother is crying. Quelquefois, la mère même est en train de gémir. Because the sucking power of the baby Parce que is strong. La capacité de téter de l'enfant est forte. But if it is the one that she squeezed by herself, mais si c'est ce qu'elle-même elle presse par elle-même. Do you think a woman will be squeezing her breast and be sweating? Est-ce qu'une femme peut-elle presser le sein en souffrant et en pleurant? You know, she just press it small and say, oh, you're paining me, let me wait. Elle va presser un peu, elle va attendre parce que ça lui fait mal. But when it is the baby, mais quand c'est le bébé lui-même, once the baby put her his mouth, quand le bébé met, quand il commence à mettre sa bouche, and begin to suck, il commence à tirer le lait, commence à sucer le lait. The woman can be crying, et la mère peut être en train de pleurer, but the baby is still sucking. Mais le bébé est toujours en train de téter. How could we get disciples? Comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir des disciples? Who have developed a sucking power? Développer une capacité de tétage. That can draw. Donc qui peut attirer. Draw from the Lord. Qui peut attirer du Seigneur. And draw from their disciples. Qui peut attirer du Seigneur et attirer aussi de leurs maîtres disciples. That even though the disciple is not willing. Et quoi que le disciple même n'est pas disposé. Even though he is sweating. Et quoi que le maître disciple même. The sucking capacity of the disciple draws. La capacité de têter de l'enfant attire. And bring so much out. Et cela donne tellement. For his own growth. Pour sa propre croissance. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So you saw that Joshua. Nous voyons donc que Josué has that deliberateness. Avait cette intention. Maybe more than everyone else that could have been around Joshua and around Moses. Beaucoup plus que tout ce qui se trouvait autour de Moïse. Do you remember that when they came down? Vous vous souvenez que quand ils sont redescendus? And they discovered that these people have gone into idolatry and were dancing around an idol. Ils ont découvert que le peuple s'est tourné dans l'idolâtrie. Moses would have looked at Joshua and said, didn't I tell you? Moïse a dû regarder vers Josué pour lui dire, n'étais-je pas dit cela? Now I realize that for Joshua, je réalise que pour Josué, there's something in him. Il y a quelque chose en lui. Do you remember another time? Vous savez à une autre occasion? When they went to spare the land. Quand ils sont allés espionner le pays. And when they came back, et à leur retour, with the report, pour rendre compte, pour faire rapport. You remember? Vous vous souvenez? And the people decided that they were going away. Et les gens ont commencé à s'éloigner. And the presence of the Lord descended. Et la présence de Dieu est descendue. And Moses and Aaron they went to the camp. Et Moïse et Aaron sont allés dans le camp. Do you remember that Joshua followed them? Est-ce que vous vous souvenez que Josué les a suivis? Even when Moses went back to go and talk to the people. Quoique Moïse est parti pour parler encore au peuple. If you read your Bible, si vous lisez votre Bible, the Bible says Joshua tarried. Vous allez voir que la Bible dit que Josué est resté dans le temple. What I'm looking for this morning, ce que je suis en train de voir ce matin, that many people are in discipleship. C'est que beaucoup de gens sont dans le discipulat. They just enjoy milking around. Mais ils aiment se pavaner autour. Spending years, passant leur temps et leurs années. And they are not deliberate. Et ils ne sont pas intentionnels. About sucking. Pour téter. About drawing. Pour tirer le lait. About pressing in, pour presser, pour persévérer, to get as much, pour obtenir autant que possible, to set them on their journey, pour que cela les mette sur la course de leur voyage. Alléluia. Amen. Why it is not? I'm not talking about scrambling. Je ne suis pas en train de dire lutter, batailler. I'm not talking about scrambling for notice. Je ne suis pas en train de dire faire des efforts pour se faire remarquer. I'm not talking about pushing people around to show that you are in charge. Pousser des coudées, faire des coudées pour montrer que c'est nous qui sommes là. The kind of disciple I'm looking at. La qualité des disciples que je regarde, que je cherche là. They don't struggle to displace people. Ils ne se débattent pas pour déplacer d'autres personnes. That's not the issue. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. What I'm talking about is first in their heart. Ce que je dis, c'est d'abord dans le cœur. First in their life. D'abord dans leur vie. It is an intense hunger. C'est une faim ardente. In their et intense. Oh, do you understand what I'm saying? Est-ce que vous saisissez ce que je dis? It's not a sign of I'm closer, I'm closer. Ce n'est pas une affaire de dire que je suis plus proche de celui-ci. C'est moi, je suis plus proche du frère de celui-ci. That's not it. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. It's not that carnality. Ce n'est pas cette
solutionnel que nous parlons. It is the intensity in your heart. C'est cette densité dans ton cœur. To get all that you could get. Pour obtenir et tirer tout ce qui est possible d'obtenir. For your life. Pour ta vie. That continues to make you to make steady progress. C'est ce qui va continuer de te pousser à avancer, à faire des progrès. In your walk with dans ta Lord. Marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Now, I was looking at the disciples of Jesus. Je considère maintenant les disciples de Jésus. How many were they? Combien étaient-ils? They were 12. Ils étaient 12, n'est-ce pas? At least those are the one he called. Je parle de ceux qu'il a appelé à être avec lui. Eventually they were 70, they were 120. On a parlé aussi de 70, de 120. But I want us to look at the 12 of them. Mais considérons les 12. Now what if you look at the 12 of them? Si nous regardons les 12. And these are issues I really pray that you can see very simply. Et je voudrais que vous puissiez saisir cela de façon simple. Do you know who first came to Jesus among the 12 disciples? Parmi les 12, qui était le premier à venir à Jésus? Andrew. It was Andrew. C'était André. It was Andrew. C'était André. It was Andrew that actually slept first with Jesus. C'est André qui a passé la première nuit avec Jésus en tant que disciple. It was Andrew that went and invited Peter. C'est André qui allait inviter Pierre à venir à Jésus. It's likely to be Andrew that spoke to Philip. Il semble aussi que c'est André qui a parlé à Philippe. You know, Andrew is such a great brother. Vous savez, André est un frère extraordinaire. Are you hearing me? Andrew is a very great man. Il est formidable, ce André. Andrew has eyes to see even a small lad with five loaves of bread. André est capable de discerner un enfant qui a cinq miches de pain. Andrew brought people to discipleship. André a envoyé des gens dans le discipulat. Andrew invited people. Il les a invités dans cette relation. Are you getting me? But Andrew did not. Mais André n'a pas end up among the first three. Il n'a pas été parmi les trois premiers disciples qui sont proches de Jésus. I want you to be careful. Faisons attention dans cette. I'm not talking about ambition. Je ne parle pas d'ambition personnelle. I'm not talking about Andrew as if he was not good brother. Je ne suis pas en train de dénigrer André comme si c'était pas un bon frère. I believe he's a good brother. Je crois qu'il est un bon frère. But I wanted to find out. Mais j'ai voulu découvrir. What could have pushed Andrew? Ce qui a poussé André far behind. À être un peu plus éloigné, un peu plus en arrière. But when we talk about Peter, quand on parle de Pierre, we don't talk about Andrew. Quand on parle de Pierre, on ne parle pas de André. De la même façon. Ok, de la même façon. When we talk about Peter, quand on parle de Pierre, the next thing we talk about is La personne dont on mentionne, c'est Jacques et Jean. The only time you will see Andrew, la fois où on voit André, you will talk of Andrew and Philip. On parle de André et de Philippe. And you can understand what Philip was eventually. Et on peut comprendre ce que Philippe était. It appears to me as if, il me semble que, you see, each one of these disciples, que chacun de ces disciples, God has great plan for each of them. Quoique Dieu ait des grands projets pour chacun d'eux. For each of them, God. Mais chacun d'eux a obtenu what they hungered for. Ce qu'ils ont désiré obtenir. That's what I'm trying to say. C'est ce que je voulais faire ressortir. For example, if you look at Andrew. Par exemple, quand on considère André, you look at Philip. Et qu'on considère Philippe. Then consider them very quickly. Regardez-les. Considérez-les. With Peter. Et voyez aussi Pierre. With James. Et Jacques. With John. Et Jean. You see a great difference. Nous voyons une très grande différence. What are the differences? Quelle est la différence? As soon as Jesus saw Peter. Dès que Jésus a vu Pierre.
And he called him and said, Simon, son of Jonah. Et il a dit, Simon, fils de Jonas. You will be Peter. Tu t'appelleras Pierre. I don't think that that was anything like favoritism. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit du favoritisme. I don't think so. Je ne pense pas cela. When you see something with Peter. Mais nous voyons quelque chose avec Pierre. Peter was very, very inquisitive. Pierre était quelqu'un qui était toujours curieux. Peter is daring. Il ose toujours. Sometimes the Lord Jesus is saying something. Quelquefois le Seigneur Jésus dit quelque chose. Peter will raise his hand. Pierre va lever la main. Sometimes Peter. Quelquefois Pierre. You remember when Jesus was walking on water? Vous savez quand Jésus, vous vous souvenez quand Jésus a marché sur l'eau? How many of them saw Jesus walking? Combien d'entre eux ont vu Jésus marcher sur l'eau? All of them. C'était eux tous, n'est-ce pas? They were in the same boat. Ils étaient tous dans la même pirogue. And they were all afraid. Ils avaient tous peur. But Jesus said, "Fear not." Mais Jésus leur dit, ne craignez point. It is I. C'est moi. Be of good cheer. Prenez courage. Now, did you know that Peter was the one? Vous savez que c'est Pierre. Say, Lord. Il dit, Seigneur. If you are the one. Si c'est toi. Command me to come. Ordonne que je vienne à toi. Did you understand that? Now, did Jesus say don't come? Est-ce que Jésus lui a dit non, ne viens pas? Hein? Did Jesus say don't come? Jésus a-t-il dit ne viens pas? What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? You can come. Viens, tu peux venir. If it was Andrew that said, si c'était André qui avait dit cela, would Jesus say don't come? Jésus allait-il dire ne viens pas? If it was Thomas that si c'était Thomas qui disait cela, Jésus allait-il dire le contraire? He non. Won't. But I saw that when Peter said, "If you are the one, command me to come." Mais je vois que quand Pierre a dit, c'est toi, ordonne que je vienne. All of you should know that what Peter did there. Vous devez tous observer que ce que Pierre a fait là was a personal risk. C'était un risque personnel pour sa vie. Was it a personal risk? N'est-ce pas un risque pour sa vie personnelle? And it was safer to be in the boat. C'était plus sécurisant d'être dans le bateau. Than to enter the open sea. Que de se mettre dans l'eau, dans la mer. Supposing Jesus failed to keep him. Supposons que Jésus manque de le tenir. What would have happened? Qu'est-ce qui se serait passé? He would have perished. Il allait mourir, il allait se noyer. But you see something inside of him. Mais vous voyez, il y a quelque chose en lui. Wanted to experience Christ. Il a voulu expérimenter Christ. If you are the one, si c'est toi, command me to come. Ordonne que je vienne. Several disciples, plusieurs disciples, will not experience so much. N'iront pas expérimenter au-delà de beaucoup. Because they are not ready to exercise. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas disposés, prêts à s'exercer. You know that even when you are working with a disciple, même quand vous marchez, vous travaillez avec un maître disciple. A disciple is generally careful and say, well, I don't want you to have problems. Le maître disciple fait toujours attention pour ne pas te mettre dans les problèmes. But if a disciple said, j'ai bien essayé you doing it. Mais si le disciple dit, mais je t'ai déjà vu faire ça. Why can't I also? Pourquoi moi je ne veux pas le faire? Il dit, ok, si tu veux le faire, ok. You can come on. Tu peux venir. You understand that? Vous comprenez? Now, do you remember Peter? Est-ce que vous vous souvenez de Pierre? Every stage. À chaque étape. Even though he makes mistakes. Quoi qu'il commettait des erreurs. Even though he can say something, I just say, get him behind me, Satan. Et quoi qu'il fasse quelque chose, et on lui dit, arrière de moi, Satan. Do you know that a man who makes mistakes can get corrected? Vous voyez, celui qui commet des erreurs et qui est corrigé. He is better than the one who never made an attempt. Est mieux que celui qui ne tente rien. Because we will never know what he will have done. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il aurait pu faire. Do you understand that? Parce que vous voyez, comprenez when cela. When you are teaching in a class. Quand vous enseignez dans une classe. There are these students that don't talk. Il y a ces élèves ou ces étudiants qui ne parlent pas. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you not understand? Est-ce que vous ne comprenez pas? Do you have any question? Avez-vous une question? Now, when the class has finished. Et après la classe. You not give them an assignment. Et vous donnez un devoir. Say, I really don't know what you will say. Mais je n'ai rien compris dans ce qu'il disait. Is that a good student? Est-ce là un bon étudiant? Such students, do they make good progress? Est-ce que les étudiants progressent dans leurs études? Non.
Non, pas du tout. So you see, a disciple that will make progress. Donc un disciple qui va faire des progrès. Is deliberately pursuing. C'est celui qui court après cela de façon intentionnelle. I want to say he's taking a risk. En fait, je voulais dire qu'il prend le risque d'aller vers ces choses. He's taking a risk to discover new grounds. Il prend le risque pour découvrir des nouveaux terrains dans le discipulat. You are too careful. Si tu fais très attention, trop attention. As not to take a risk to discover new grounds. Pour ne pas prendre des dispositions pour découvrir des nouveaux terrains dans le discipulat. And you are just waiting there. Et tu attends là. So whatever they want. Ils disent tout ce qu'ils veulent. They will move us there. Et ils vont nous envoyer là-bas. You will never move much. Jamais tu ne feras de grands progrès. Now, do you remember people like James and John? Est-ce que vous vous souvenez des gens comme Jacques et Jean? And I'm just looking at them. Je les considère, je les regarde. Do you remember that as soon as they came to Jesus? Est-ce que vous voyez que dès qu'ils sont venus à Jésus, something was peculiar about them. Quelque chose de particulier s'est passé avec eux. The first thing I noted, you can see very simply. Et je voudrais que vous puissiez saisir cela de façon simple. Do you know who first came to Jesus among the 12 disciples? Parmi les 12, qui était le premier à venir à Jésus? André. It was Andrew. C'était André. It was Andrew. C'était André. It was Andrew that actually slept first with Jesus. C'est André qui a passé la première nuit avec Jésus en tant que disciple. It was Andrew that went and invited Peter. C'est André qui allait inviter Pierre à venir à Jésus. It's likely to be Andrew that spoke to Philip. Il semble aussi que c'est André qui a parlé à Philippe. You know, Andrew is such a great brother. Vous savez, André est un frère extraordinaire. Are you hearing me? Andrew is a very great man. Il est formidable, ce André. Andrew has eyes to see even a small lad with 5 loaves of bread. André est capable de discerner un enfant qui a 5 miches de pain. Andrew brought people to discipleship. André a envoyé des gens dans le discipulat. Andrew invited people. Il les a invités dans cette relation. Are you getting me? But Andrew did not. Mais André n'a pas end up among the first three. Il n'a pas été parmi les 3 premiers disciples qui sont proches de Jésus. I want to be careful. Faisons attention dans cette. I'm not talking about ambition. Je ne parle pas d'ambition personnelle. I'm not talking about Andrew as if he was not good brother. Je ne suis pas en train de dénigrer André comme si c'était pas un bon frère. I believe he's a good brother. Je crois qu'il est un bon frère. But I wanted to find out. Mais j'ai voulu découvrir. What could have pushed Andrew? Ce qui a poussé André far behind, à être un peu plus éloigné, un peu plus en arrière. That when we talk about Peter, quand on parle de Pierre, we don't talk about Andrew. Quand on parle de Pierre, on ne parle pas de André. De la même façon. When we talk about Peter, quand on parle de Pierre, the next thing we talk about is La personne dont on mentionne, c'est Jacques et Jean. The only time you will see Andrew, la fois où on voit André, you will talk of Andrew and Philip. On parle de André et de Philippe. And you can understand what Philip was eventually. Et on peut comprendre ce que Philippe était. It appears to me as if, il me semble que, you see, each one of these disciples, de chacun de ses disciples, no, God has great plan for each of them. Que Dieu a des grands projets pour chacun d'eux. For each of them, God. Mais chacun d'eux a obtenu what they hungered for. Ce qu'ils ont désiré obtenir. That's what I'm trying to C'est say. C'est ce que je voulais faire ressortir. For example, if you look at Andrew. Par exemple, quand on considère André. You look at Philip. Et qu'on considère Philippe. Then consider them very quickly. Regardez-les. Considérez-les. With Peter. Et voyez aussi Pierre. With James. Et Jacques. With John. Et Jean. You see a great difference. Nous voyons une très grande différence. What are the differences? Quelle est la différence? As soon as Jesus saw Peter. Dès que
Jésus a vu Pierre. And he called him and said, Simon, son of Jonah. Et il a dit, Simon, fils de Jonas. You will be Peter. Tu t'appelleras Pierre. I don't think that that was anything like favoritism. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit du favoritisme. I don't think so. Je ne pense pas cela. When you see something with Peter. Mais nous voyons quelque chose avec Pierre. Peter was very, very inquisitive. Pierre était quelqu'un qui était toujours curieux. Peter is daring. Il ose toujours. Sometimes the Lord Jesus is saying something. Quelquefois le Seigneur Jésus dit quelque chose. Peter will raise his hand. Pierre va lever la main. Sometimes Peter. Quelquefois Pierre. You remember when Jesus was walking on water? Vous savez quand Jésus, vous vous souvenez quand Jésus a marché sur l'eau? How many of them saw Jesus walking? Combien d'entre eux ont vu Jésus marcher sur l'eau? All of them. C'était tous, n'est-ce pas? They were in the same boat. Ils étaient tous dans la même pirogue. And they were all afraid. Ils avaient tous peur. But Jesus said, "Fear not." Mais Jésus leur dit, ne craignez point. It is I. C'est moi. Be of good cheer. Prenez courage. Now, did you know that Peter was the one? Vous savez que c'est Pierre. The Lord. Il dit, Seigneur. If you are the one. Si c'est toi. Command me to come. Ordonne que je vienne à toi. Did you understand that? Now, did Jesus say don't come? Est-ce que Jésus lui a dit non, ne viens pas? Hein? Did Jesus say don't come? Jésus a-t-il dit ne viens pas? What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? You can come. Viens, tu peux venir. If it was Andrew that said si c'était André qui avait dit cela, would Jesus say don't come? Jésus allait-il dire ne viens pas? If it was Thomas that si c'était Thomas qui disait cela, Jésus allait-il dire le contraire? He non. Won't. But I saw that when Peter said, if you are going, command me to come. Mais je vois que quand Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. All of you should know that what Peter did there. Vous devez tous observer que ce que Pierre a fait là was a personal risk. C'était un risque personnel pour sa vie. Was it a personal risk? N'est-ce pas un risque pour sa vie personnelle? It was safer to be in the boat. C'était plus sécurisant d'être dans le bateau. Than to enter the open sea. Que de se mettre dans l'eau, dans la mer. Supposing Jesus failed to keep him. Supposons que Jésus manque de le tenir. What would have happened? Qu'est-ce qui se serait passé? Il allait périr. Il allait mourir. Il allait se noyer. But you see something inside of him. Mais vous voyez, il y a quelque chose en lui. Wanted to experience Christ. Il a voulu expérimenter Christ. If you are the one, si c'est toi, command me to come. Ordonne que je vienne. Several disciples, plusieurs disciples, will not experience so much. N'iront pas expérimenter au-delà de beaucoup. Because they are not ready to exercise. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas disposés, prêts à s'exercer. You know that even when you are working with a disciple, même quand vous marchez, vous travaillez avec un maître disciple. A disciple is generally careful and say, well, I don't want you to have problems. Le maître disciple fait toujours attention pour ne pas te mettre dans les problèmes. But if a disciple said, j'ai bien essayé de lui. Mais si le disciple dit, mais je t'ai déjà vu faire ça. Why can't I also? Pourquoi moi, je ne veux pas le faire. Ok, si tu veux le faire, ok. Tu peux venir. You understand that? Vous comprenez? Now, do you remember Peter? Est-ce que vous vous souvenez de Pierre? Every stage. À chaque étape. Even though he makes mistakes. Quoi qu'il commettait des erreurs. Even though he can say something, I just say, get him behind me, Satan. Et quoi qu'il fasse quelque chose, et on lui dit, arrière de moi, Satan. Do you know that a man who makes mistakes and gets corrected? Vous voyez, celui qui commet des erreurs et qui est corrigé. Is better than the one who never made an attempt. Est mieux que celui qui ne tente rien. Because we will never know what he will have. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il aurait pu faire. Do you understand that? Parce que vous voyez, comprenez cela. When you are teaching in a class. Quand vous enseignez dans une classe. There are these students that don't talk. Il y a ces élèves ou ces étudiants qui ne parlent pas. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you not understand? Est-ce que vous ne comprenez pas? Do you have any question? Avez-vous une question? Now, when the class has finished. Et après la classe. You not give them an assignment. Et vous donnez un devoir. Say, I really don't know what you were saying. Mais je n'ai rien compris dans ce qu'il disait. Is that a good student? Est-ce là un bon étudiant? Such students, do they make good progress? Est-ce que des étudiants progressent dans leurs études? Non. Non, pas du tout. So you see, a disciple
that will make progress. Donc un disciple qui va faire des progrès. Is deliberately pursuing. C'est celui qui court après cela de façon intentionnelle. I want to say he's taking a risk. En fait, je voulais dire qu'il prend le risque d'aller vers ces choses. He's taking a risk to discover new grounds. Il prend le risque pour découvrir des nouveaux terrains dans le discipulat. If you are too careful. Si tu fais très attention, trop attention. As not to take a risk. Pour ne pas prendre new grounds. Pour ne pas prendre des dispositions pour découvrir des nouveaux terrains. Dans le discipulat. And you are just waiting. Et tu attends là. So whatever they want. Dis tout ce qu'ils veulent. They will move us there. Et ils vont nous envoyer là-bas. You will never move much. Jamais tu ne feras de grands progrès. Now, do you remember people like James and John? Est-ce que vous vous souvenez des gens comme Jacques et Jean? I'm just looking at them. Je les considère, je les regarde. Do you remember that as soon as they came to Jesus? Est-ce que vous voyez que dès qu'ils sont venus à Jésus, something was peculiar about them. Quelque chose de particulier s'est passé avec eux. The first thing I noted about them. La première chose que je remarque avec eux, they were so zealous. Ils étaient très zélés. That Jesus even called them sons of thunder. Ils étaient si zélés au point que Jésus les appelait les fils de tonnerre. They were so aggressive. Ils étaient tellement agressifs dans leur tête. That even anybody is trying to preach here or stand against Jesus. De sorte que quand quelqu'un veut s'opposer à Jésus, what did they say? Qu'est-ce qu'ils disent? Let's go and call fire on them. On va libérer le feu sur eux. Now let me tell you. Je voudrais vous dire. Even though. Quoique we are not training people that call fire on people. On ne forme pas des gens pour qu'ils libèrent le feu sur d'autres personnes. But we need disciples who are fire. Nous avons besoin des disciples qui ont du feu en eux. You see, it's better to drink somebody's fire. C'est bon, c'est mieux de demander le feu de quelqu'un and direct it appropriately. Et de le diriger dans le bon sens. Than to have somebody who has no fire. Que d'avoir quelqu'un qui n'a pas le feu du tout en lui. Do you understand what I'm talking about? Est-ce que vous savez ce que nous disons? When you don't have fire, quand vous n'avez pas de feu en vous, there's nothing to drink. Il n'y a rien à émonder. These brothers came with fire. Et ces frères sont venus avec le feu. You see, the fire in them. Et le feu en eux. Though in the beginning, quoique au départ, it was being misdirected. We call fire on people. Ils étaient mal orientés, ils voulaient diriger, libérer le feu sur les but gens. But as soon as Jesus began to teach them, mais dès que Jésus a commencé à leur donner des enseignements, you don't know what spirit you have. Il dit, vous ne savez pas quel esprit vous avez. The Son of Man does not come to destroy but to save. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire mais pour sauver. He didn't quench their fire. Il n'a pas éteint leur feu. It only redirected. Il a simplement réorienté ce feu là. Alléluia. Amen. What did the fire in John? What did it become? Qu'est-ce que le feu qui était en Jean est devenu? It became a fire. C'est devenu un feu of love. D'amour. It's a fire burning in. Un feu qui consume, qui brûle en lui. It's the love of God. C'est la compassion, l'amour de Dieu. And it's the love of the brethren. Et c'est l'amour des frères aussi. He has fire. Il a ce feu. I was surprised. J'étais étonné et surpris. That when Herod was wanting to kill people, quand Herod voulait tuer les gens, it was James the first courtesan. C'est Jacques d'abord qu'ils ont saisi, qu'ils ont décapité. What made that to happen? Pourquoi ces choses sont arrivées? Can I tell you why? Je voudrais vous dire pourquoi. He was like the how do you call it now? He was like the arrowhead. Il était comme la lance, la pierre de lance. Though Peter was there, quoi que Pierre soit présent, they noticed that this young man. On a remarqué que ce jeune homme, maybe we will catch him. Si peut-être en le saisissant, we will stop something. On va arrêter quelque chose. You know that there are people among us. Vous savez, il y a des gens parmi nous. Some are very, very zealous. Il y en a qui sont très, très zélés. And in discipleship, ils sont dans le discipulat. But they are zealous. Et bien ils sont zélés. They are fire. Ils ont le feu en eux. In their bones. Dans leurs os. The disciple has to be saying, le disciple va toujours lui dire, calme-toi. Calme-toi. I know what you want to do. Je sais ce que tu veux faire. If you do it like this, mais si tu le fais de cette façon, is it okay? Is that c'est comme ça, on doit le faire. Finish, avant que tu le finisses, il est déjà parti. You know, such a person is easier. Vous savez, cette personne est facile to help à aider than the one que celui qui dit Hubert. There's something we need to do. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Is that, ah bon? You think we should do it? Tu penses qu'on doit vraiment le faire? Okay, quand tu es prêt, il faut me pousser. And where you discuss, et alors que vous avez discuté, there he has left. C'est là qu'il est resté, il ne bouge pas.
And if you have a disciple, et si vous avez un maître disciple, who is not himself incapable of doing his work, qui est capable de faire lui-même son propre travail, what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? He takes over. Il continue de faire ce qu'il a fait. Il continue son travail. You are still sleeping. Et toi, tu es là, tu attends et tu dors. When he has finished. Pendant que lui a fini le travail. Will you grow well? Est-ce que tu vas grandir bien? The disciple needs le disciple a besoin personal fire d'un feu personnel en lui that makes him to even take personal risk qui le pousse à prendre des risques personnels in discovering new grounds dans la découverte de nouveaux terrains in discipleship dans le discipleship. Can you see the point is this? Est-ce que vous pouvez voir ce que je dis? Jean. I was asking. Je me demandais pourquoi Jean a mis sa tête sur le sein de Jésus. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient parents? Non. Pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas repoussé? Pourquoi? Et si André avait fait de même? Jésus l'aurait-il repoussé? Every man will get. Chacun va obtenir what he desires to get ce qu'il désire obtenir from the Lord. Du Seigneur. And even in discipleship, et même dans le discipulat, you will get tu n'obtiendras what you desire to get que ce que tu as désiré obtenir. I don't know whether I'm communicating with je ne sais pas si je communique vraiment avec vous. To make progress in discipleship. Afin de pouvoir faire du progrès dans le discipulat. As well, we are looking at it from the angle of disciples. Nous regardons ça sous l'angle de disciples. I'm looking at it on my own part as a disciple. Moi, je regarde cela de ma, avec mon œil de disciple. I am not talking en tant que disciple. From the angle of disciples. Mais je ne parle pas en tant que maître disciple. Disciple may have a different way of looking at it. Les maîtres disciples peuvent voir ça d'une autre façon. You may look at me as if this boy is just ambitious. Il peut regarder et dire à ce frère là, il est très ambitieux. But even if he sees that I am ambitious, même s'il pense que je suis ambitieux, and he has opportunity, et qu'il a l'occasion, of giving me a lecture, de me donner une formation, un enseignement, how to overcome ambition, sur comment vaincre l'ambition. Will he bless me? Est-ce que cela va-t-il me bénir? More than if I didn't allow him. Et si je ne lui permets pas? To know that I don't have any ambition. De savoir que moi j'ai des ambitions. I don't have any ambition. Je n'ai aucune ambition. I'm not eager to become anything. Rien ne m'intéresse et je ne pense pas à devenir quoi que ce soit. I'm not eager to win souls. Je n'ai pas de désir pour progresser, pour gagner des âmes. They say, what are you doing? I'm just there. On dit, qu'est-ce que tu veux faire? Dis non, je suis là. 10 years, he's there. 10 ans, il est là. You don't know what to do with him. On ne sait pas ce qu'il faut faire de lui et avec lui. It's very difficult. C'est très difficile. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, do you notice? Est-ce que vous avez remarqué that each one of these brothers, que chacun de ces frères, because of their intensity to know the Lord, à cause de leur ardeur à rechercher le Seigneur, they shuffled their way. Ils ont commencé eux-mêmes à se frayer le chemin. Did I say they pushed somebody down? Est-ce que j'ai dit qu'ils ont rabattu quelqu'un, ils ont poussé quelqu'un de côté? They didn't. Non. But there's something in them. Mais quelque chose en eux that drew them. Qui les a attirés. That drew them. Qui les a attirés. That brought them near. Qui les a rapprochés. Praise the Lord. Gloire à Dieu. This thing I'm talking about, ce que je vous dis, is the hunger. C'est la faim. Is the hunger. C'est la faim. In the heart of a disciple, qui se trouve dans le cœur du disciple, to grow, cette faim, cette envie de grandir. I will be again sharing that with you as I look at the life of Paul. Je vais partager ça en m'appuyant sur la vie de Paul. But before I leave the apostles, mais avant de laisser les apôtres, I just want you to see as you look in their midst. Regardez parmi eux. The last man that we talked about the other time was Thomas. Le dernier dont nous avons mentionné la dernière fois c'était Thomas. You remember Thomas? Vous vous souvenez de Thomas, n'est-ce pas? When I was talking about being personal with your disciples. Lorsque je parlais d'être personnel dans notre relation de discipulat, I noted that simply because Thomas expressed a need in his own life. J'ai remarqué que parce que Thomas a exprimé un besoin de sa vie et dans sa vie,
When Jesus said, you know the way. Quand Jésus a dit, vous connaissez le chemin. And you know where I'm going. Et vous savez où je m'en vais. You know, shame could have made him. Vous savez, la honte l'aurait poussé à dire. Si je dis, je ne connais pas le chemin. Les gens vont me regarder pour dire. Ah bon, mais celui-là, toutes ces années-là, tu me dis que tu ne connais pas ces choses simples-là, les débutants. And what will he do to himself? Et qu'est-ce qu'il va faire? He will keep quiet. Il va se taire. I don't want anybody to know that I'm not following. Je ne veux pas que quelqu'un sache que je ne suis pas ce qui se passe. And there are some of you like that. Y a-t-il des gens parmi nous qui se comportent comme ça? You are not following. Tu ne suis pas. You don't want people to say you are not. Mais tu ne veux pas faire savoir aux gens que tu ne comprends pas ce qui se passe. Some of the things we are saying is not clear to you. Il y a certaines choses que nous disons que tu ne saisis pas. Some of the doctrine we believe, you don't believe it yet. Et certaines doctrines en quoi nous croyons, toi tu n'arrives pas à croire cela d'abord. When we say somebody can live free. Quand on dit que quelqu'un peut vivre complètement libre. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Moi je ne sais pas. Hein? Dieu merci. Moi je l'ai su. Je suis. If you have too many questions, they will single you out. Parce que si tu poses trop de questions, on va dire toi, tu diras trop les gens. Moi je me tais. Does that help that disciple? Est-ce que cela va aider ce disciple à grandir? Eh? Répondez. So that's the trouble you find someone who has been discipleship for some years. Et c'est le problème que nous trouvons parmi les disciples qui sont dans le discipulat pendant des années. When he is left alone. Quand il est seul. He does the things that he has known for many years. Il fait les choses qu'il a connues depuis avant, depuis longtemps. What do you mean? Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? We have explained this. Mais on t'a déjà expliqué ceci. Well, I don't understand. Il dit, oui, mais j'ai pas trop compris. And I don't want to trouble you. Mais comme je n'ai pas voulu te déranger, I don't want you to be looking at me as if j'ai pas voulu que les gens me regardent comme quelqu'un qui ne sait rien. Is he serious? Il dit, mais est-ce que c'est parce qu'il est sérieux? Hein? Now. These disciples, mais donc ces disciples, because of their hunger, ces disciples à cause de leur faim, hunger to make personal progress, leur ardent désir de faire du progrès personnel, they don't mind what people say. Ils ne s'inquiètent pas de ce que les gens pensent. I have looked at the people that you think, oh, they are the forward moving, Peter, James, John. Et je regarde ces gens qu'on voit comme étant des devanciers, ceux qui sont devant. Well, it is in the same class I am seeing Thomas. Mais c'est dans la même classe que je vois Thomas. Thomas who is there? Thomas qui peut dire, I don't know the way. Je ne connais pas le chemin. Show us the way. Montre-nous la voie. You see, what is making him to want to know the way? Ce qui le pousse à connaître le chemin. He has an hunger in him. C'est qu'il a un ardent désir en lui. I want to know for myself. Je veux le savoir pour moi-même. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Are we communicating? Est-ce que nous communiquons quelque chose ce matin? What was the matter? Quel était le problème? Did Jesus slap his mouth? Est-ce que Jésus l'a giflé? Did Jesus beat him and say you? Est-ce que Jésus l'a tapé pour dire toi? You? Toi encore? You don't know the way. Jusqu'à présent, you don't know the way. Get out of the way. Je ne vais pas t'en. Is that what Jesus did? Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He spoke to him. Il lui a parlé. You will notice the Bible says, and Jesus answered him. Vous allez voir que la Bible dit et Jésus lui répondit. I am the way. En disant, I am the truth. Je suis le chemin. I am the life. Je suis la vérité. Je suis la vie. Did you see that from Thomas? Response. Et on peut voir que à partir de la question de Thomas, Philippe got confidence. Philippe aussi a commencé à prendre de l'assurance. To also ask his own question. Pour commencer à poser lui aussi sa propre question. Now this question has been in Philippe's mind for many years. Cette question-là, elle était dans l'esprit de Philippe depuis longtemps. He has a question. Il avait une question. He kept saying Father, the Father. Philippe, lui, il a toujours dit le Père, le Père, le Père. Where is the Father? Mais où est le Père dont il parle? The other day, he taught us to pray. La dernière fois, il nous a enseigné à prier. Il dit, quand vous voulez prier, dites notre Père. I don't know the Father. Moi, je ne connais pas le Père dont il parle. What does he mean by that? De quoi parle-t-il quand il parle? But I said, saw Thomas. Mais quand il a vu Thomas, ask him what looked like a funny question. Une question qui était un peu marrante. And Jesus not slapping. Et que Jésus n'a pas rabroué. Philippe also said. Alors Philippe a eu le courage. He also have a question. Moi aussi j'ai une question. Hein? You know, but for his own. Mais vous voyez, pour lui, il était seul. Jesus was so surprised. He got a rebuke. Et que he was surprised. Okay, Jésus était surpris. And he rebuked. Et Jésus l'a repris. Philippe. Hey Philippe,
Philippe. How long will I be with you? Jusqu'à quand serai-je avec vous? And you have not known the Father. Et tu n'as pas reconnu le Père. If you have known me, you will have known my father. Si tu m'avais connu, tu aurais connu mon père. Don't you believe that I am in the Father? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Even though he got a rebuke, quoi qu'il ait été repris, it was still good for his growth. Mais c'était avantageux pour sa croissance. Do you get what I'm talking about? Si vous voyez ce que je dis. Unless you have this personal hunger. Tant que tu n'as pas ce désir personnel, cette faim personnelle, you may not be able to take a risk. Tu ne pourras pas risquer. You may not be able to be personal. Tu ne pourras pas faire les choses de façon personnelle. Despising the shame. Et en méprisant la honte. I can see Thomas despising the shame. Je vois Thomas en mépriser la honte. And you may not be able. Et tu seras incapable. To endure a rebuke. De supporter les reproches publics. I can imagine that some of you. Je vois que certains d'entre vous. Your biggest problem. Votre plus grand problème in discipleship dans le discipulat is that you don't know how to take rebuke. C'est que vous ne savez pas comment recevoir les réprimandes. Accepter les réprimandes. Whenever you rebuke, chaque fois qu'on vous reprend, you think it's a condemnation. Vous pensez qu'on vous condamne. You think it's because they don't like it. Vous pensez, vous vous dites, c'est parce qu'il ne m'aime pas. And that hinders you. Et cela vous empêche. How does it hinder you? Comment est-ce que cela vous empêche? It makes you do only what you think they will agree with. Alors vous allez chercher à faire les choses qui semblent être agréables aux autres. So you are a man, you are an eye server or a man. Alors vous devenez maintenant un serviteur qui tape à l'œil. All right. And because of that. Et à cause de cela, you are not real. Vous n'êtes plus réel, véritable en vous-même. You are unable to be yourself. Vous êtes incapable d'être honnête et sincère, d'être vous-même. So that you can make progress. Afin de pouvoir faire de réels progrès in your discipleship. Dans votre relation de disciple-là. Can I inform you? J'aimerais vous dire. If you came to discipleship because you are perfect. Si vous êtes venu dans le discipleship parce que vous êtes parfait. What is the need of being disciple? Alors, quel besoin a-t-il d'être formé, d'être disciple? If you came into discipleship. Si vous êtes venu dans le discipulat, because you are already good enough, parce que vous êtes assez bon déjà, and you are doing something because you know how to do it, et vous faites quelque chose parce que vous savez comment le faire, is that a need for discipleship? Mais est-ce qu'il y a-t-il un besoin donc de devenir disciple? I am not hearing. Je ne vous entends pas. Non. Non, pas du tout. I am in discipleship. Je suis dans le discipulat because I need to be made. Parce que j'ai besoin d'être fait, d'être formé. Because my life need to be helped. Parce que ma vie a besoin d'être aidée. That's why I'm here. C'est pour cela que je suis là. So rebuke. Donc les reproches. Chastisement. Le châtiment, la discipline. Even punishment. Même la punition. They are my opportunities. Ce sont des occasions pour moi. But you see, a disciple will not take that. Mais vous voyez, un disciple ne peut pas recevoir et supporter cela. Can I explain to you? Je vais vous expliquer. Those disciples, ces disciples-là, that cannot endure rebuke, ils ne peuvent pas supporter les réprimands. Can I tell you what they do? Vous voyez, je vais vous dire ce qu'ils font. If you rebuke them once, si vous les reprenez une fois, they can take 2 weeks. Ils vont prendre 2 semaines to explain. Pour expliquer, to defend themselves, pour se défendre, pour justifier, to keep saying, pour commencer, continuer de dire, even though you are rebuking me, quoi que tu m'aies repris la dernière fois, I was not really wrong. Je n'avais pas vraiment tort. C'est-à-dire que, even when your disciple wants to move forward into another subject for your life, quoi que ton maître veut passer à une autre étape de formation dans ta vie, you are telling him, excuse me, tu lui dis, s'il te plaît, concerning the thing you said, par rapport à ce que tu as dit il y a 2 semaines. I have actually been thinking about. En fait, je pense à cela depuis. And I want it to be clear to you. Et j'aimerais que tu saches cela clairement. That I was not actually wrong. En fait, je n'avais pas tort. Can that disciple make progress? Ce disciple peut-il progresser? Talk to me. Répondez. Can he make progress? Peut-il faire des progrès? Do you know some of you are so unable to handle it? Vous voyez, certains d'entre vous êtes incapables de gérer les réprimandes. That even those that God will have used to help you. Les sortes que ce que Dieu pouvait utiliser pour vous aider, they are
afraid. Ces gens-là ont peur. Because if they do it, parce qu'en vous aidant, another 3 weeks, dans 3 semaines, you have entered into vous allez rentrer dans votre coquille. And they have to say, no. Ils seront obligés de demander qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je t'ai dit la dernière fois, on s'est dit plein de temps pour pas. C'est parce que je ne vais plus le dire encore. Et ça ne va pas t'aider à grandir. So I found that among the 12 disciples, et je vois donc que parmi les 12 disciples, as you see each of them, comme on le voit chacun d'eux, you can see things that brought their progress. Nous voyons les choses qui ont suscité leur progrès. And I wanted to say to you, et j'aimerais vous dire que Jésus, our master, notre maître, is eager, désire to release all that he has, ardemment libérer tout ce qu'il a. But what is the rule? Mais quelle est la règle? Once the cup is full, dès que la coupe est remplie, the oil must stop. L'huile doit s'arrêter. God cannot give. Dieu ne peut pas vous donner what I want you are determined or desiring to collect. Plus que ce que vous désirez recevoir. So we're looking at progress in discipleship. Nous regardons, nous considérons le progrès dans la relation de discipleship. Today from the angle of my own deliberate, intentional hunger and pursuit for it. Et je regarde ça sous l'angle de mon désir ardent, personnel et volontaire à faire du progrès dans ma relation de discipleship. Now let's take Brother Paul. Voyons maintenant le cas du frère Paul. Can you go quickly to 1 Corinthians? Allons-y rapidement à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Amen. I read from verse 8. Je lis à partir du verset 8. And last of all, he was seen of me also as one born out of due time. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. For I am the least of the apostles that are not meet and not qualified to be called an apostle because I persecuted the church of God. Car je suis le moins des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. But by the grace of God, I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. What I wanted to ask you is this. Ce que j'aimerais demander, et ceci. When was Paul converted? À quel moment Paul a-t-il été converti? After the death of Stephen. Il s'est converti après la mort de Étienne. Ah oui? N'est-ce pas? Did you know that Paul did not have the privilege of seeing Jesus face to face physically? Savez-vous que Paul n'a pas eu le privilège de voir Jésus physiquement face à face? Wow, I don't want to call them second class disciples. So I want to say they are second generation disciples. Et savez-vous que ceux qui ont baptisé Paul, je ne veux pas dire que ce sont des disciples de seconde classe, mais en fait c'est la seconde génération des disciples. So you see that if you are talking about those who discipled Paul, mais si nous voulons parler de ceux qui ont formé Paul, Ananias, Barnabas. These are all second generation. Tout cela, ils font partie de la seconde génération des disciples. Peter did not even have opportunity of discipling him directly. Pierre n'a même pas eu l'occasion de former directement Paul. Now, how could such a person? Comment une telle personne? Who was only disciple? Qui n'a été formé by second or third generation disciples? Par des disciples de deuxième ou même troisième génération. How did he become what he became? Comment est-il devenu ce qu'il est devenu? While Peter was still alive. While Peter was still alive. Tandis que Pierre était encore vivant. To the point that Peter was confessing in 2 Peter, he said,
Paul's teaching is difficult to be understood. Au point où Pierre lui-même le dit dans une lettre, vous dit ah, les lettres de Pierre de Paul sont difficiles à comprendre. What was it? De quoi s'agit-il? So this is the issue I want to raise. C'est ce que je voudrais donc toucher comme point. Can you imagine that I see that some of us? Imagine que certains d'entre nous, you are scrambling. Nous sommes en train de lutter. To be discipled. Pour être formé pour être disciple. By brother Guilé. Pour être disciple du frère Guilé. Or brother Dennis. Ou bien le frère Denis. Because they are the first. Parce qu'on se dit ouais, c'est la première génération de ceux qui viennent. As if that will make you anything. Comme si c'est ça qui va faire de vous quelque chose. Paul was not discipled by such. Paul n'a pas été formé par de tels disciples. And yet, de tels maîtres. He even bypassed them. Pourtant, il les a comme dépassés. Where is the secret? Mais où est le secret? Where is the secret? Où se trouve le secret? Philippiens chapitre 3 will help us. Le secret se trouve en Philippiens chapitre 3. C'est la même idée. Look at Philippiens 3. Regardons Philippiens chapitre 3. But before you go to Philippiens, I said. For the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Il dit, je suis ce que je suis, et la grâce qui m'a faite n'a pas été vaine. I did not waste the grace of God. Je n'ai pas gâché la grâce de Dieu. You see, I maximized the grace I received. J'ai utilisé au maximum la grâce que j'ai reçue. Some of you, it was books that God put on your hand. Certains d'entre vous, c'est les livres que vous avez vus. Some of you, it was another disciple that God used to draw you. Quelques-uns d'entre vous, c'est d'autres disciples que Dieu a utilisés. You have despised that. Mais vous avez méprisé cela. You have taken that grace for granted. Vous avez pris cette grâce là. And today, comme légère. You are stagnant. Et aujourd'hui, cela fait que vous êtes stagnant. Because the people that God sent to you are not good. Non pas que ce que Dieu a utilisé n'était pas bien. But because you despised the grace. Mais parce que vous avez méprisé la grâce qui a été faite. You didn't maximize it. Vous ne pouvez pas utiliser au maximum cette grâce. You were always wishing, yes. Vous étiez toujours en train de souhaiter. When your guest comes. Et quand le patron va venir. Yeah, the one I listen to. C'est lui que je vais écouter. That hinders you a lot. Cela vous a vraiment bloqué dans votre croissance. So in Philippians 3, you see what Paul did. En Philippiens 3, nous voyons ce que Paul a fait. Read it for us. Philippiens chapitre 3. Yes. I want you to read on verse 4. Nous allons lire à partir du verset 4. Yes, if you can read, even if you move on. Ok, Philippiens 3, verset 4. Yes. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si que autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Yes. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. For what things that were gain to me. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. I counted loss for Christ. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. This was the issue. C'est là le problème. Some of us. Certains d'entre nous. Even though you have come to discipleship. Quoique nous soyons venus dans le discipulat. You're still bragging about your old or useless experience. Nous continuons toujours de nous vanter de nos expériences du passé, des expériences inutiles. I've been a pastor. Yeah, moi j'ai été pasteur. I've been a pastor for 10 years. J'ai été pasteur pendant 10 ans. Is it because we're in discipleship? Est-ce que c'est parce qu'on est dans le discipulat tu vas me traiter comme ça? When I was pastoring, you cannot even stand where I stand. Moi quand j'étais pasteur, toi tu ne pouvais même pas te tenir là où j'étais. Now look at that. Mais regardez ceci. If pastoring blessed you, si la pastorale t'a béni, why are you here? Pourquoi donc es-tu venu ici? Why do you use something useless? Pourquoi tu utilises quelque chose d'inutile? To decorate yourself and block yourself from growing. Comment ça te maquiller et t'empêcher de croître dans le discipulat? Paul said. Paul dit, all things that were gain to me, tout ce qui était pour moi comme un gain, I count it loss. Je le considère comme une perte. Can I tell you that was why? C'était pourquoi? He could learn from Ananias. Il a pu apprendre de Ananias. That was why. C'est pourquoi? He could submit to Barnabas. Il a pu se soumettre à Barnabas.
Because Barnabas was not as educated as he was. Parce que Barnabas n'était pas aussi instruit qu'il était. I don't think Barnabas had anything like that. Je ne pense pas que Barnabas ait quelque chose dans ce sens. I don't know what Ananias got. Je ne sais pas ce que Ananias avait. But when he knew that this thing that I'm bragging about is useless. Mais quand il a reconnu que ces choses dont il se vantait étaient inutiles, made him to submit. Cela l'a amené à se soumettre afin d'obtenir ce qu'il pouvait obtenir de ces gens. He was pressing. Il pressait. I want us to pray about that. Je voudrais que nous prions pour, par rapport he à cela. Said, I can't hold this thing but loss. Il dit, je comptais tout cela comme une perte. For the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord. À cause de la connaissance de l'excellence de Jésus, mon Seigneur. I want to be found in him. I want to know him. Je voudrais le connaître. So you can see. Vous pouvez donc voir. In a very short while. Dans un bref moment. Jesus can begin to commit something. Jésus a commencé à lui confier des choses sérieuses. He can give him a vision that even Peter will not understand. Il a commencé à lui accorder des visions que même Pierre n'a pas eu. I want to end for this morning. Je voudrais arrêter ici ce matin. Again, I want to say to you. Mais en disant. Nobody is your problem in discipleship. Que personne n'est votre problème dans le discipulat. You are your own problem. C'est vous-même qui constitue un problème pour vous. Nobody blocks you in your discipleship. Personne ne vous bloque dans votre relation de discipulat. You are the one who blocks yourself. C'est vous-même qui vous bloquez. No one. Personne. Places a barrier. Personne ne met des obstacles sur votre croissance, sur le chemin de votre croissance. You are the one that sets your barrier for yourself. C'est vous-même qui mettez des barrières devant vous. You see, the kind of thing that Paul did, les sortes de choses que Paul a fait, in pursuing God, dans la quête de Dieu, in pursuing God, dans la recherche de I Dieu, want to know him. Dit, je veux le connaître. I want to know je veux le connaître. I want to know je veux le connaître. You couldn't want to know God like that. On ne peut pas chercher à connaître Dieu de cette manière. And God will be hiding himself. Et Dieu va commencer à se cacher, se voiler de you toi. You couldn't desire. Tu ne peux pas avoir. I want to know tu ne peux pas avoir un tel désir pour dire je veux te connaître. You know what I found. Vous savez ce que je découvre? In our discipleship relationship. Dans notre relation de discipulat. Many of us. La plupart d'entre nous. Beaucoup de disciples, maybe because they don't know, parce qu'ils ignorent, ils ne savent pas. They take the grace of God for granted. Ils prennent la grâce de Dieu à la légère. They take brothers. Ils prennent les frères whom God put around them for que granted. Dieu a mis autour d'eux à la légère. They take even these steps. Ils prennent même ces enregistrements là. This thing that they are recording. Ces choses là qu'ils enregistrent là. They take it for granted. Ils prennent ces choses là à la légère. Whereas I met people, là où moi j'ai rencontré des gens, this last time I traveled abroad, la dernière fois que je suis allé à l'étranger, I met a woman, j'ai rencontré une femme, who traveled all the way from California to Denver for a 22-hour drive. Elle a voyagé de la Californie jusqu'à Denver environ 22 heures de route, autoroute. Hein? Oui. Hein? Ok, oui, 22 heures de route sur l'autoroute. Just to come, tout juste pour venir, and be in a meeting, pour participer à une rencontre, à une réunion. When she came, lorsqu'elle est arrivée, she brought a very one ton becoming like Jesus. Elle est venue avec un livre devenir comme Jésus, vraiment vieilli. The whole cover has peeled. Toute la couverture là a flétri. You know when you have read a book and it has torn into pieces. Vous savez quand vous avez lu un livre, relu le livre et puis le livre s'est détaché. You are gathering it. Vous commencez à réunir les pages. He brought that book. Elle est venue avec ce livre là. He said this book. Elle dit ce livre là. Changed my life. A changé ma vie. I cannot tell you how many times I've been reading it. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai lu et relu ce livre. The copy has become old. Cette copie a vieilli. I'm just going to get another one. J'espère en avoir une autre. Each time I read it, toutes les fois que je lis ce livre, it changed my life. Cela affecte ma vie et ça change quelque chose. Everything. Et cela a changé tout autour de moi. And as I was looking for
Who wrote this book? Et tandis que je cherchais à voir qui a écrit ce livre, I met this sister. J'ai rencontré cette sœur who has been discipling me. Qui me forme dans le discipulat. I'm happy to see you today. Et je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui. I was almost crying. J'étais très ému. I said, wow. Et j'ai dit quoi? All the way in the US. Depuis là-bas, aux États-Unis d'Amérique. She's an American. C'est une Américaine. Affected. Elle a été touchée. And that's the only thing they have. Et c'est la seule chose qu'elle avait avec elle. For their own discipleship. Pour elle, pour son disciple-là. When they meet. Quand ils se rencontrent. They will eat and they will read about two pages. Ils vont lire environ deux pages du livre. And discuss it. Et discuter par rapport à ce qu'ils ont lu. And pray. Et prier par rapport à cela. Whatever the book said is not right. Ce que le livre dit qui n'est pas bon. They went quickly to correct. Ils commencent rapidement à réviser. Ils reviennent la semaine suivante. To continue. Pour continuer. Nobody was there. Personne n'était avec eux là-bas. Don't even teach them. Pour leur donner des enseignements. But I saw their lives have changed. Mais j'ai vu que leur vie a changé. Ah, what is it? De quoi s'agit-il? That God gives you materials. Qu'est-ce que Dieu te donne comme matériel? He gives you brothers. Il te donne des frères. People that you can reach. Des gens que tu peux toucher. And they will explain this. Ils vont expliquer des choses. You have all the books. Tu as tous les livres. But they are only on your shelf. Mais toutes ces choses-là sont là sur l'étagère. Ta bibliothèque. So if you sit in discipleship for 10 years, alors si tu es dans le discipula pendant 10 ans, and you didn't become something, et tu n'es pas devenu quelque chose, and people that never even met us, et ceux qui ne nous ont même pas rencontrés, who have never seen us at all, qui ne nous ont jamais vus, who only read books, qui n'ont fait que lire nos livres, and if they bypass you, et s'ils te dépassent dans cette marche, and they became something in God's hands, et ils deviennent quelque chose entre les mains de Dieu, is it our fault? Est-ce là notre faute? Répondez. It will be your fault. Ce sera ta propre à toi. I want you to pray this morning. J'aimerais que tu pries ce matin. You are in discipleship. Tu es dans le discipulat. Not to be a dwarf. Non pas pour devenir un nain. God doesn't call any man to make him dwarf. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour le rendre nain. You are in discipleship. Tu es dans le discipulat. Not to be crippled. Pour être handicapé. Because God does not cripple any man. Dieu n'handicape personne. You are in the discipleship. Tu es dans le discipulat. Not to be stagnant. Non pas pour stagner. God does not stagnate anybody. Dieu ne bloque pas quelqu'un sur place. You are in the discipleship. Tu es dans le discipulat. Not to spend donkey years. Non pas pour passer des années. God works with time. Dieu travaille dans le temps et avec le temps. Are you hearing me? Est-ce que vous me suivez? You don't have forever time to be disciple. Tu n'as pas tout le temps pour être un disciple. By the time you ought to be teachers. Au moment d'être des enseignants, des maîtres. For you to be needing somebody to be teaching you. Pour que toi encore tu as encore besoin qu'on t'enseigne. Is an absurdity. Is abnormal. Absurdité. Ce n'est pas bon. So we are praying this morning again. Ce matin nous allons prier. Create in me, O God. Et dis Seigneur, crée en moi. Hunger for excellence. Une faim, une ardeur, un ardent désir de l'excellence. Hunger for growth. Une faim pour la croissance. I want to know you. Je veux te connaître. I want to be conformed to your image. Je veux me conformer à ton image. I want to advance in this matter. Je veux avancer dans ces choses. If you have discovered that this is the way, si tu as découvert que c'est là la voie, why don't you pursue with all your strength so that you can get it quickly? Pourquoi ne poursuis-tu pas cela de toutes tes forces pour que cela change rapidement? Are you hearing what I'm saying? Est-ce que tu entends ce que if je dis? If you know that this is the thing that God is showing you, si tu vois que c'est là que ce que Dieu te montre, is this how we pursue it? Est-ce ainsi que tu vas le rechercher, le poursuivre? If you have found a treasure. Si tu as découvert un trésor, Jesus said, Jésus dit, the man went with joy. Cet homme est allé. He sold all that he had. Il a vendu tout ce qu'il avait. To come and buy it. Il est venu pour acquérir ce qu'il avait. If this is the way, si c'est là la voie, if nobody is forcing you into si personne ne te pousse dans le discipulat, can I see a different attitude? Est-ce que je pourrais voir une attitude différente en toi maintenant? You see, we have come into francophone country. Nous sommes entrés maintenant dans la francophonie. And some people are thinking, ah, why did you come so late? Et là, ils disent, pourquoi est-ce que vous êtes venu très tard? I want you to know. Je voudrais que vous sachiez, this is your time. C'est maintenant votre temps. God to bring you into this. Pour que Dieu vous amène dans ces choses.
Am I communicating with you? Est-ce que je vous communique quelque what chose? What do you do with it? Qu'allez-vous faire de cela? Eh? Run for it. Courez après cela. Courez avec cela. I wish you give your heart totally. J'espère, je souhaite vous donner totalement cela. May I tell you? Mais pourrais-je vous dire? We would not have as many years we had in Nigeria. Nous n'avons pas le temps à passer comme nous avons fait au Nigeria. To work here. Pour travailler ici. Can I tell you why? Je vais vous dire pourquoi. We came here a little old. Nous sommes déjà venus ici. Nous sommes venus ici déjà âgés. And we are heading elsewhere. Do you know we came here old? Vous savez que nous sommes déjà venus ici âgés. And we are not going to die here. Et nous n'allons pas mourir ici. Brother Dennis will not be buried here. Le frère Denis ne sera pas enterré ici. He is going somewhere. Il va quelque part d'autre. You can't say where he is here without God whenever I'm ready. Ne dis pas là, il est là. Toutes les fois quand j'ai le temps, je vais voir. Non. No way. Non, c'est pas comme ça. You've got to catch this quick. Vous devez saisir cela rapidement. Paul did not spend 10, 20 years. Paul n'a pas passé 20 ans. 20 années. To strike what God wanted him to. Pour frapper et toucher ce que Dieu voulait toucher. Even though he was a late comer. Quoi qu'il soit venu en retard. He bypassed them. Mais il les a dépassés. That's my cry for you. C'est là mon cri pour moi. Pour vous. Eh? That's my cry for you. C'est là mon cri pour vous. And do you know why I'm saying this? Et savez-vous pourquoi je dis cela? God has blessed you with the language already. Dieu vous a déjà béni avec le langage, la langue. You don't need to learn French. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le français. Do you need to learn French? Est-ce que vous avez besoin encore d'apprendre before le français? You can communicate with vous parlez avec des francophones? Eh? Do you know that Brother Dennis had to learn French? Le frère Denis a dû apprendre le français. La sœur Tedo a dû apprendre le français. Before they can speak. Avant de commencer à vous parler. And some of you say, ah! Et un homme qui dit ah, Brother Denis French is even stronger than our own. Le frère Denis parle un français plus correct que le nôtre. Do you know what has caused that? Vous savez ce qui a provoqué cela? It was a passion. C'était la passion à l'intérieur. He said, I want to catch this language. Il dit je veux saisir, je veux maîtriser ce langage. I don't want to learn language for 10 years. Je ne veux pas passer 10 ans à apprendre la langue. Before I start looking for how to use. Avant de commencer à utiliser cette langue. That's why he pushed for it. Pourquoi il a pressé là dedans? So that he can start. Afin qu'il puisse commencer à travailler. How can you be complacent? Comment est-ce que toi tu peux être complaisant? How can you not have zeal? Comment est-ce que tu peux ne pas développer le zèle? So you're going to pray now. Alors tu vas prier. Set me on course. Et dis Seigneur, mets-moi. Create in me. Je me crée en moi. Hunger. Une faim. Deliberate intentional hunger. Une faim ardente. For growth. Pour la croissance. For excellence. Pour l'excellence. Don't let me just be circulating around on one spot. Ne me laisse pas tourner en rond. Years are not waiting for you. Les années ne m'attendent pas. Would you like to pray? Est-ce que vous voulez que nous prions? Let's call on God. Invoquons le Seigneur. Let's call on God this morning. Invoquons le Seigneur.